Coucou les filles, donc aujourd'hui je vais vous présenter un mini haul que j'ai fait un peu de solde, mais vraiment pas beaucoup. Je crois que je vais y retourner dans pas longtemps. Donc je vais vous présenter mes affaires. Alors je suis allée chez Caporal et j'ai trouvé deux t-shirts. Marqué Caporal. Un t-shirt basique, hein, et juste marqué Caporal en bleu. Alors à l'origine il était à je crois que c'est 29 € et je l'ai eu à 17. Ça vaut le coup pour la marque, je crois. Après, toujours à Caporal, j'ai acheté ce débardeur avec une coche ici, enfin, une poche comme ça. En bas il est marqué Caporal ici, et dans le dos, voilà, comme ça. Et je l'ai eu à 19 € au lieu de 30 euros 50. Et en fait c'est un orange fluo, et ça, en fait la mode c'est du fluo en ce moment, en fait. Et puis je l'ai trouvé super beau, donc je l'ai pris. Après je suis allée je sais pas où je l'ai acheté, en fait. Enfin, j'étais pas avec en fait c'est ma mère qui me l'a acheté, donc c'est une robe, en fait. Elle est comme ça, attendez. Ici il y a un petit nœud. Et en fait, je sais pas, c'est des sortes de petits carrés. Bizarre. En fait, ça fait un dégradé de couleur, en fait. Donc là c'est marron. Ça dégradé. Et ça recommence comme ça. Et ce qui fait beau, en fait, c'est que ici il y a des traits. Vous allez rien voir parce que la qualité n'est pas très bonne, désolé. Non, on voit rien du tout. Non, on voit rien. Tant pis, c'est juste des petits traits, en fait. Donc j'ai acheté que 3 articles, en fait. Donc c'est vraiment pas beaucoup pour les soldes. Ah oui, en fait, je l'ai eu à 16 € au lieu de 21. Après j'ai acheté quelques vernis, donc à Yves Rocher j'ai acheté celui là donc il paraît noir ou rouge foncé, mais en fait c'est cerise noire, c'est le numéro 32. Je sais pas si vous allez voir, cerise noire, donc c'est rouge foncé, en fait. Après je sais pas, j'ai fait les magasins, j'ai rien trouvé. Il me fallait absolument un vernis blanc, donc j'ai acheté à Mime un vernis blanc, quoi. Ouais, tout simple, hein. Il n'y a pas de, non, il n'y a rien dessus, il n'est pas marqué les références. Après je suis allée à comment ça s'appelle, à Nocibé, et j'ai acheté ce vernis là donc attendez, donc c'est la teinte 31. On voit rien, mais oui, il est marqué là. En fait c'est le vernis que je porte ici, en fait, donc ça fait un rose rouge assez foncé. Et normalement j'en ai acheté un vernis comme ça pour une copine, donc c'est un rose corail, orange, un peu orangé, fluo, quoi. Je l'avais acheté à Yves Rocher, mais je lui ai offert pour elle, en fait. Et moi je me suis acheté carrément le même, c'est le même, sauf que c'est dans un magasin, je sais pas si vous connaissez, c'est Match, en fait. Et c'est de la marque Béranger Makeup Paris, et il n'y a pas de teinte, en fait.
Non, c'est bizarre. Et toujours après, je suis allée à Yves Rocher et j'ai pris ce vernis-là. En fait, c'est un beige pâle avec des paillettes. Je sais pas si vous allez voir. Avec des paillettes dorées. On voit rien, faudrait que je change la qualité de. En fait, je filme avec ma webcam d'ordinateur parce que j'ai pas envie de filmer avec mon appareil photo. Parce que c'est long à faire et tout. Et surtout que quand je filme avec mon appareil photo, moi elle est cool ma vie. On n'entend pas le son en fait. Quand tu regardes avec mon appareil photo, quand tu regardes la vidéo, il y a l'image mais il n'y a pas le son. Et c'est dès qu'on le met sur l'ordinateur qu'on entend. Donc c'est un peu chiant. Donc je le fais pas. Et ouais, revenons au vernis. C'est la teinte 105. Voilà. Donc c'est tout. Ah ouais, j'ai aussi un vernis de chez Mel Berlin Nouya. C'est un bleu vert, un peu vert canard. Et moi j'ai du mal avec les teintes et tout, la couleur, j'arrive pas à décrire. Et là il est pas marqué le numéro. Je suis vraiment désolée si vous cherchez le même, mais enfin ça se trouve un peu partout quoi, dans les grands magasins. Après, qu'est-ce que j'ai acheté? Je crois que c'est tout. Je suis allée à Belloard et j'ai acheté un nounours. Attendez, je vous. En fait, je savais pas quoi acheter. Je trouvais rien. Et puis, il y avait soit. Il y avait plein de trucs, mais la plupart des trucs, c'est pour les enfants. Bah, là aussi, c'est pour les enfants. Mais il y avait presque rien. Il y avait que des nounours. Donc, j'ai pris une chenille. Une chenille comme ça, je trouve elle est trop marrante, c'est pour ça que j'ai pris. Elle est comme ça. Donc je l'ai prise, je l'ai trouvée trop mini. Et puis c'est tout, je crois. Enfin, ah non, j'ai acheté des chaussures. C'est des chaussures. À se mettre compensé comme ça, des roses. En fait, je les ai achetées à. En fait, une copine les avait et je les ai trouvées trop belles. Et pour le prix qu'elle a acheté, j'ai trouvé ça pas cher. Donc, elle les a achetées à Carrefour. Donc, je suis allée à Carrefour et je les ai payées 8 euros. En fait, c'était une promo sur des chaussures et en plus, elles sont très confortables. Mais ça doit pas être de la très bonne qualité. Ça fait 2 semaines que je les ai, donc ça va, mais ma copine, en fait, son talon, il commence à se déchirer ici, là. Moi, ça va. Et j'espère qu'elles vont tenir longtemps parce que je les trouve vraiment très jolies. Donc, voilà. Bon, bah, ma vidéo est terminée. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo... Bah, vu que c'est les vacances, j'aurai beaucoup plus de temps que d'habitude. Donc, je vous fais de très gros bisous et à bientôt. Bisous.